Que se passe-t-il ? Ce Robespierre, il a déclaré cette journée « fête de l'être suprême », un hommage à la vertu de la nation et au devoir de tous les citoyens. Ça me rappelle quelque chose. Une interprétation assez... Avec tout ce cirque, on ne réussira jamais à l'approcher. Mieux vaudrait se retirer et attendre une meilleure opportunité. Tu penses toujours comme un assassin, mais cette fois, j'ai un plan. Oh, et c'est quoi ce plan? Penser comme un Templier. Incroyable! Je croyais qu'on était censé devenir des rationalistes. Ça rime, tout ça. Vive Robespierre! Mon Dieu, est-ce que c'est joli? Vive la liberté! Si l'être suprême n'est pas Robespierre, je mange mon chapeau! C'est quoi le but de tout ça? C'est grandiose au point d'en devenir grotesque. Robespierre est inattaquable. Il a fait venir la moitié de la garde. Nous n'arriverons jamais à nous approcher de lui. Ça, je te l'avais dit. Par contre, il est moins populaire qu'auparavant. Les purges, les cultes de l'être suprême, si on parvient à le discréditer, s'en sera fait de lui. Et quoi de mieux que se donner en spectacle aux yeux de tous? Exactement. Si on arrive à le faire passer pour un fou dangereux, son pouvoir fondra comme neige au soleil. Mais il faudra des preuves irréfutables. Je crois savoir par où commencer. Tu viens ? Retrouve-moi plus tard. J'ai des choses à faire, moi aussi. Il est temps de passer à l'action ! Prenez-le dans la peau comme...
l'impossible. Il voit dans ce moment une nation entière aux prises avec tous les oppresseurs du genre humain suspendre ses travaux héroïques pour élever sa pensée et ses voeux vers le grand être qui lui donna la mission de les entreprendre et la force de les exécuter. N'est-ce pas lui dont la main immortelle engravant dans le cœur de l'homme le code de la justice et de l'égalité qui passa la sentence de mort et de n'est-ce pas lui qui c'est ah, je vais te ralentir. Il est à l'ordre du jour. Honnêtes se tiennent ainsi. De l'avarice, de la débauche, du mensonge. C'est la forêt. Il a créé une grève. Qu'est-ce que ça peut bien signifier ? Peu de gens honnêtes se tiennent ainsi. Est-ce un espion ? Un voleur ? Nous donnerons au monde l'exemple des vertus républicaines.
et tu pourras l'honorer encore. Il est enfin arrivé ce jour à jamais fortuné que le peuple français consacre à l'être suprême. Jamais le monde qu'il a créé ne lui offrit un spectacle aussi digne de ses regards. Il a vu régner sur la terre la tyrannie, le crime et l'imposture. Entière aux prises avec tous les oppresseurs du genre humain, suspendre le cours de ses travaux héroïques pour élever sa pensée et ses voeux vers le grand être qui lui donna la mission de les entreprendre et la force de les exécuter. Mais c'est pas lui dont la main immortelle le cœur de l'homme, le cœur de l'égalité qui trace à la sentence de mort déchirant. Mais c'est pas lui qui, c'est le commencement des temps, sécréta la République. La rage est entrée dans la ville. Et mit à l'ordre du jour pour tous les siècles et pour tous les peuples la liberté, la bonne foi et la justice. Il n'a point créé les plages pour dévorer les freshmen. Il n'a point créé les plages pour nous attirer comme de vils animaux aux chars des rois. Et pour venir au monde au détente de la vaste, de l'orgueil, de la fortune, de la marine. De la tribu, arrêtez-moi ce chien! Mais il a créé l'homme. Il a créé l'homme. L'auteur de la nature avait lié tous les mortels par une chaîne immense d'amour et de l'homme. Moins rapide que tu le crois. Une nation entière, reprise avec tous les objets.
oppresseur du genre humain, pour prendre le cours de ses travaux héroïques, pour élever sa pensée et ses voeux vers les grands maîtres, qui lui donne à la lutte. Où t'es-tu envolé, sale vermine? Oh que oui. Curieux personnage. Vermine dont la main immortelle prendra dans le cœur de l'homme le code de la justice et de l'égalité qui grâce à la sentence de mort des de la bassesse, de l'orgueil, de la perfidie, de l'avarice, de la débauche et du mensonge. Mais il a créé les traits pour publier sa puissance. Il a créé les hommes pour s'aider, pour s'aimer mutuellement et pour arriver au bonheur par la route de la vertu. L'auteur de la nature avait lié tous les mortels par une chaîne immense d'amour et de félicité. Périssent les tyrans qui ont osé la briser. Français, Républicains, c'est à vous de purifier la terre, de fouiller et d'y rappeler la justice qui est en nom faible. La liberté et la vertu sont aussi ensemble le distinct de la divinité. L'une ne peut s'y tourner sans l'autre. Peuple généreux, je suis triomphé de toutes les ennemis. Pratique la justice et rend à la divinité le seul culte digne d'elle. Peuple, vivrons-nous aujourd'hui sous ces hosties, au transport d'une vue allégresse. Demain, nous combattrons encore les vices et les tyrans. Nous donnerons au monde l'exemple des vertus républicaines. Et ce sera l'honoré en France. Il est enfin arrivé que le peuple français consacre à l'être suprême. Jamais le monde qu'il a créé de Dieu est un spectacle. Regarde. Il a vu régner sur la terre la tyrannie, le crime et l'imposture. Il voit dans ce moment une nation entière aux prises avec tous les oppresseurs du genre humain qui prend le cours de ses travaux héroïques pour élever sa pensée et ses voeux vers les grands êtres qui lui donna la mission de les entreprendre et la force. Des preuves incriminantes. Je dois trouver des preuves incriminantes. On dirait un journal. À exactement 5h du matin, un rappel sera battu dans Paris. Il invitera tous les citoyens, hommes et femmes, à orner sur le champ leur maison des couleurs bien-aimées de la liberté, soit en accrochant leur drapeau, soit en embellissant leur maison de guirlandes, de fleurs et de verdure. La liberté, la bonne foi et la justice. Intéressant, mais cela ne me sera pas utile. Une lettre. Il n'a point créé les prêtres pour nous accoler comme de villes animaux. Monsieur Robespierre, veillez à ne pas laisser votre ambition personnelle prendre le pas sur le grand œuvre. Ce que nous accomplissons n'est pas pour notre propre gloire, mais pour remodeler le monde selon l'image de Jacques de Molay. Germain. Il a créé les hommes pour s'aider mutuellement et pour arriver au bonheur par la route de la vertu. L'auteur de la nature... Intéressant, mais cela ne me sera pas utile. Périssent les tyrans qui ont osé la briser. Français, républicains, c'est à vous que... Monsieur, vous qui avez été le sauveur de la République, je vous implore aujourd'hui d'être aussi celui de mon frère. En ce moment même, il croupit en prison, arrêté par des patriotes plus zélés dans leur héroïsme qu'avisés dans leur méthode. Aucun mandat n'a jamais été émis pour l'arrestation d'André, et pourtant il demeure emprisonné à Saint-Lazare, sous suspicion. Je vous prie de ne pas vous rappeler les écrits de mon frère dans le journal de Paris, car ils sont le fruit du cœur outrancier d'un poète. Je vous implore plutôt, si mes humbles talents ont apporté la moindre pierre au succès de notre glorieuse révolution, d'épargner mon frère. Je vois dans ses œuvres le bourgeonnement du plus grand poète français, une lumière qui brillera éternellement. Patriotiquement vôtre, Marie-Joseph Chénier. Il est enfin arrivé ce jour à jamais fortuné que le peuple français consacre à l'être suprême. Ce n'est pas vraiment ce que je cherche. Jamais le monde qu'il a créé ne lui aura
Publiciste de la Révolution française, daté du lendemain de la mort de Morat. Une nation entière, aux prises avec tous les oppresseurs du genre humain, suspendre le cours de ses travaux héroïques pour élever sa pensée et ses voeux vers le grand être qui lui donna la mission de les entreprendre et la force. Intéressant, mais cela ne me sera pas utile. Mais ce sera lui dont la main immortelle en gravant dans le cœur de l'homme le code de la justice et de l'égalité qui fera la sentence de mort des tyrans. Mais ce pas lui qui, dès le commencement des temps, décréta la République et mit à l'ordre du jour pour tous les siècles et pour tous les peuples la liberté, la paix. Merlin, et la Talien, Bourdon, ce sont tous des députés de la Convention. Il n'a point créé les prêtres pour nous. Des listes d'hommes politiques rédigées par un homme qui adore envoyer ses rivaux à la guillotine. De la perte, oui, de ça devrait faire l'affaire. Mais il a créé l'univers pour publier sa pensée. Il a créé les hommes pour s'aider, pour s'aimer mutuellement et pour arriver au bonheur par la route de la vertu. L'auteur de la nature avait lié tous les mortels par une chaîne immense d'amour et de félicité. Périssent les tyrans qui ont causé la vérité. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait longtemps. Arracher les royaumes, leur décor et le pont neuf. Jamais on ne l'a fait. Alors ? Une liste de noms. Une cinquantaine de députés de la Convention. Tous opposés à Robespierre. Il veut les éliminer. J'imagine que ces messieurs seraient intéressés d'apprendre qu'ils figurent sur cette liste. Mais avant ? Monsieur Robespierre a fait venir ses propres rafraîchissements. Distrait les gardes, j'ai une idée. Distraire les gardes, je sais faire. Armée, tour à tour, des poignards, du fanatisme. Poisson, l'athéisme. Armée, tour à tour. Que ça s'agite là-bas. Pas besoin de pour comprendre que vous Oh!
lâcher le monde. Peuple, je ne crois plus leur complot sacrilège. Peuple ne craint plus leur complot sacrilège. Monsieur Robespierre a fait venir ses propres rafraîchissements. Distrait les gardes, j'ai une idée. Distraire les gardes, je sais faire. Compagnie envers les malheureux. Soyons généreux envers les bons. Inexorables envers les méchants. Soyons généreux envers les bons. Compatissants envers les malheureux. Inexorables envers les méchants. Ne comptons point sur une prospérité sans mélange, et sur des triomphes sans obstacle, ni sur tout ce qui dépend de la fortune ou de la perversité d'autrui. Armés, tour à tour, des poignards, du fanatisme. Poissons, fanatisme. Sortez d'ici! Le monde. Peuple, ne crains plus leur complot sacrilège. Peuple, ne crains plus leur complot sacrilège. De l'ergot en poudre. Cela provoque des hallucinations. Il aura l'air d'un dément. Il ne nous reste qu'à lui donner l'air dangereux. La liste de noms. Il faut qu'elle tombe entre les bonnes mains et de manière anonyme. Si l'on nous repère, Germain sera sur ses gardes. Je m'en occupe. Laisse-moi faire. Importunés,
redressez vos fronts abattus. Vous pouvez encore impunément lever vos yeux vers le ciel. Soyons généreux envers les bons, compatissants envers les malheureux, inexorables envers les méchants, justes envers tout le monde. Soyons ardents et opiniâtres dans notre colère contre les tyrans conjurés. Imperturbables dans les dangers, patients dans les travaux, terribles dans les revers, modestes et vigilants dans les succès. Ne nous reposons que sur notre constance et sur notre vertu. C'est tout ce que tu sais faire. Tout ton éclat, c'est la sagesse. Oh là. Et pour qui diable Robespierre se prend-il ? Il est sans doute jaloux de vos succès. Ils ne peuvent pas tous arracher le monde. C'est clairement cela, n'est-ce pas ? Il serait grand temps que quelqu'un donne une leçon. Redressez vos fronts abattus. Vous pouvez encore impunément lever vos yeux vers le ciel. Héros de la patrie, votre généreux dévouement n'est point sous les satellites de la tyrannie peuvent vous assassiner. Mais soyez interrogés sur la liberté et la clémence, alors que nous mettons des gens par milliers. On est en train de mourir encore en vie, et j'en ai tout frais de chair. Où vas-tu ? Je vous en prie. Vous oubliez ta vie passagère, à Dieu même et à l'immortalité. Que la nature reprenne donc tout son éclat et la sagesse, tout son empire. L'être suprême n'est point anéanti. Ne comptons point sur une prospérité sans mélange, et sur des triomphes sans obstacles, ni sur tout ce qui dépend de la fortune ou de la perversité d'autrui. Homme, si tu peux te voir encore de hautes pensées de toi-même. Soyons ardents et opiniâtres dans notre colère contre les tyrans conjurés. Imperturbables dans les dangers. Modeste et vigilant dans les succès. Ne nous reposons que sur notre conscience. Infortunés, redressez vos fronts abattus. Vous pouvez encore impunément lever vos yeux vers le ciel. Que la nature reprenne donc tout son éclat et la sagesse, tout son empire. L'être suprême des fronts. Regardez-le se pavaner sur le front du quai. Cela devrait faire bouger les choses. Suprême. Qu'est-ce donc ? C'est surtout la sagesse que nos coupables ennemis voulaient chasser de la République. C'est à la sagesse seule qu'il appartient d'affermir la prospérité des empires. C'est à elle de nous garantir une liste d'ennemis de la Révolution. Elle comporte une cinquantaine de noms. Robespierre est allé trop loin cette fois. Le loup est dans la bergerie. Je plains les moutons. Et maintenant ? On attend. Ça ne sera pas long. Lorsque Robespierre aura perdu l'appui du peuple, il ne sera plus utile à Germain. Et quand Germain l'abandonnera... Il sera vulnérable. Partons. Ne rends pas les choses plus difficiles. Donne-moi un nom. Il n'y a que deux issues. Allez-y. Bonjour, mon cœur, merci. Je prierai pour vous.